Je m'appelle Yannick van der Reken, product expert chez WE Group. Comment pouvez-vous, en tant que courtier d'assurance indépendant, obtenir une croissance saine de votre portefeuille? Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un certain nombre d'exemples qui peuvent y contribuer et que de plus en plus de bureaux commencent à utiliser. Un premier exemple est le marketing des médias sociaux, où il est important d'utiliser le bon canal pour le bon public cible. Par exemple, voulez-vous informer les PME sur l'importance d'une police cyber et donc faire comprendre que ce produit est proposé par vous? LinkedIn sera un canal idéal pour atteindre ce public cible. Toutefois, si vous souhaitez attirer les particuliers ou la jeune génération, il peut être intéressant de proposer une assurance vélo ou une assurance voyage via Instagram ou Facebook. Un autre bon exemple dont nous avons déjà discuté dans un précédent Expert Talk et qui peut également signifier une croissance supplémentaire pour votre portefeuille est l'apport des clients. Pensez à l'agence immobilière, au garage ou au magasin de vélo local. Chacun à son tour, il vend des biens assurables, tels qu'une maison, une voiture ou un vélo électrique, où le client peut être informé immédiatement afin de protéger cette propriété en coopération avec le courtier d'assurance indépendant. Ceci nous amène au dernier exemple, également prometteur, les opportunités au sein de votre portefeuille. Prenons l'exemple d'un étudiant qui a souscrit une assurance vélo auprès de vous. Quelques années plus tard, il pourrait acheter sa première maison, son premier appartement ou sa première voiture et vouloir l'assurer via son courtier et devenir ainsi potentiellement un client total. La recherche d'opportunités au sein de votre portefeuille requiert bien sûr la créativité nécessaire. Les sources de données externes peuvent être une grande aide à cet égard, afin de cartographier les situations changeantes. Pensez à la jeune famille qui installe des panneaux solaires après un certain temps ou qui a une nouvelle piscine ou un nouvel abri de jardin. Où se trouve l'expansion de la famille, par exemple? Qui a déjà assuré pour un risque chez vous, mais pas encore pour l'autre? En bref, de nombreuses opportunités pour offrir aux clients existants et les nouveaux clients le service nécessaire, d'une part, et pour promouvoir la croissance de votre portefeuille, d'autre part. Voilà, c'est tout pour cet Expert Talk. N'oubliez pas de consulter notre InsureBlog ou notre chaîne YouTube. Merci!